Alors, c'est direction le Jura. Là, je suis en route, il reste environ 2 heures, mais j'ai juste une dalle. Pas possible. Du coup, je vais manger des chips. Bon maman, on est le 13 juin, il est 9h20. Si t'as essayé de m'appeler 17 fois et que t'as appelé la police, je m'en excuse. Je n'ai juste aucun service sur le téléphone. Voilà, t'inquiète pas, désolé. Du coup, j'ai mangé le repas de midi. C'était pas forcément très bon. Un couscous végétal, digne des plus grands. Et ensuite, j'ai fait une sieste et j'ai préparé le repas de ce soir déjà. Comme ça, c'est fait. En fait, c'est simple. J'ai pris tout ce que j'avais et je l'ai mélangé. C'est betterave, maïs, pâte, pesto. Voilà. Et aujourd'hui, je vais juste aller me balader. Aller marcher parce que du coup j'ai déjà marché toute la matinée aux cascades, mais là je vais pas du coup retourner aux cascades. Je vais marcher dans le coin et rester ici ce soir parce qu'il risque d'y avoir un très beau coucher de soleil apparemment juste ici. Donc voilà. Du coup, voilà l'endroit où je vais dormir ce soir. On est le lundi matin, il est 9h, j'ai super bien dormi, ça fait du bien. J'ai pris mon petit déj et puis là je suis au volant pour aller au lac de Vouglans. Apparemment c'est super beau et tout, donc on va voir et puis se baigner un petit peu parce qu'il risque de faire très chaud aujourd'hui. Thank you.
matin, je suis allé me baigner au lac. Et après, j'ai pris la route pour Arbois pour aller voir d'autres cascades. Et donc là, je suis juste à côté. Et ça a déjà l'air très beau. Alors, je pars de la cascade des Tuffes pour aller à Vite les Belles Voies. Je vais aller voir des éoliennes en fait, mais c'est surtout dans le but de me rapprocher de la maison pour faire déjà la moitié de la route. Et vu que je rentre demain, comme ça, ça me prendra moins de temps demain. Et du coup, je vais juste aller là-bas pour passer la nuit et je vais y aller. Bon, après 3 jours de solitude, voilà, enfin je rencontre du monde. Coucou. Voilà pour le dernier spot, le dernier endroit du coup de ce séjour où je vais passer la nuit. Et finalement les éoliennes, elles sont un peu plus loin. Normalement il y a une petite balade où je pourrais aller les voir. Donc j'irai voir ça tout à l'heure. Du coup, voilà, c'est la dernière vidéo de ce vlog, de ce séjour de 4 jours en Bourgogne-Franche-Comté. C'était vraiment une très belle expérience pour ma première fois en van seul. Même si parfois on se sent un petit peu seul, surtout la nuit quand il n'y a rien à faire, il y a le couvre-feu à 23h encore à l'heure actuelle. Au final, j'ai passé un très bon séjour, j'ai eu de tellement belles choses que ça fait passer mine de rien la solitude. Et j'ai très hâte de repartir du coup cette fois accompagné ou pas. Et voilà.